Le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CIRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bienvenue chers élèves maîtres et élèves maîtresses à cette session d'enseignement-apprentissage. Je suis Madame Belema Jacqueline, professeure d'école normale d'instituteur. Je suis enseignante de législation scolaire. Ce cours s'adresse aux élèves maîtres du niveau baccalauréat de toutes les énièges du Cameroun. Avant de nous lancer dans la nouvelle leçon, corrigeons d'abord le devoir de la semaine passée, de la séance précédente. Suivez attentivement, je vais relire ce devoir pour nous. Pour s'assurer de l'assimilation de la leçon sur l'introduction au cadre juridique de l'éducation au Cameroun, qui paraît encore ambiguë pour certains de tes camarades, votre professeur te désigne, toi qui es assidu, pour les aider à systématiser les savoirs y relatifs. Pour cela, qu'est-ce que tu devras faire pour aider tes camarades? Pour y arriver, tu devras citer et illustrer chaque concept clé de cette leçon par un exemple précis. Citer et illustrer chaque concept clé de cette leçon par un exemple précis. Tu dois également, pour cela, classer les normes juridiques suivantes par ordre d'importance décroissante. Ces normes à classer sont arrêté, instrument international, circulaire, constitution et loi. Tu dois également expliciter le principe de parallélisme de forme. La synthèse de toutes vos productions nous amène à retenir pour ce devoir que les concepts clés de l'introduction au cadre juridique de l'éducation au Cameroun et leurs exemples sont les suivants. Le concept droit, à l'exemple du droit pénal, du droit civil, ainsi de suite. Nous avons également le concept droit public, à l'exemple du droit international public, du droit administratif, du droit constitutionnel, du droit fiscal. Nous avons également le concept de droit privé, à l'exemple du droit social, droit civil, droit rural, où les problèmes de mariage, de divorce, d'adoption y sont traités. Parlons également du concept instruments internationaux, à l'exemple de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Les textes législatifs constituent également l'un des concepts clés du cadre juridique de la promotion de l'éducation au Cameroun. Et comme exemple de test législatif, nous pouvons parler de la loi d'orientation de l'éducation du 14 avril 1998. Pour ce qui est des tests réglementaires, nous pouvons donner comme exemple le décret numéro 2005-140 du 25 avril 2005 portant organisation du ministère de l'éducation de base. Classons maintenant les normes juridiques qui nous sont données par ordre d'importance décroissante selon les valeurs juridiques. Nous avons les termes arrêté,
instrument international, circulaire, constitution et loi. La première norme qui est au-dessus de toutes les normes, c'est la constitution. Nous avons la constitution qui est en premier lieu. En deuxième lieu, nous avons les instruments internationaux. Donc deux instruments international. La troisième norme, c'est la loi. La quatrième norme, c'est l'arrêté. La cinquième et dernière norme, c'est la circulaire. Donc, reprenons-nous le classement des normes. Les normes selon l'importance, l'ordre d'importance décroissante est la suivante. La Constitution en premier lieu, après le test international, après la loi, après l'arrêté et nous terminons par la circulaire. Le principe de parallélisme de forme est un principe selon lequel un acte administratif pris par une autorité ne peut être modifié ou abrogé que par l'autorité qui l'a initié ou par une autorité qui lui est supérieure. Donc, le principe de parallélisme est un principe selon lequel un acte administratif pris par une autorité administrative ne peut être modifié ou abrogé que par l'autorité elle-même ou par une autorité qui lui est supérieure. Notre leçon de ce jour est intitulée « Les types de tests sur l'éducation au Cameroun ». Les types de tests sur l'éducation au Cameroun. Voici le plan qui va nous permettre de dérouler cette leçon. Nous allons parler des objectifs, objectifs qui constituent ce que, à la fin de cette leçon, chacun de vous devra être capable de témoigner en termes de comportement observable ou mesurable. Nous parlerons également des prérequis qui constitueront un rappel des connaissances antérieures, qui constitueront une base pour asseoir les savoirs de ce jour. Nous allons étudier ensemble une situation problème qui nous permettra de mener les analyses pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Et ces objectifs seront atteints à travers les activités d'analyse que nous allons mener. Nous allons au terme des activités d'apprentissage, des systèmes d'activités d'apprentissage, vous donner un exercice d'application, question de consolider les savoirs acquis. Nous allons terminer par un devoir que vous allez effectuer à la maison. Et après les activités d'apprentissage, à ce niveau, nous allons prendre le résumé. Ce résumé à base duquel vous allez traiter votre exercice d'application. Donc, pour dérouler notre leçon, nous allons parler des objectifs, des prérequis, nous traiterons une situation problème, nous analyserons des activités d'apprentissage, nous allons résumer les savoirs du jour et vous aurez un exercice d'application pour consolider les savoirs acquis et nous allons terminer par un devoir que vous allez traiter à la maison. Comme objectif pour cette leçon, chacun de vous devra être en mesure, à la fin de cette séquence d'enseignement-apprentissage, de présenter les instruments internationaux, de dérouler les tests législatifs et
de déterminer, de présenter également les tests réglementaires. Donc, à la fin de cette session d'enseignement-apprentissage, chacun de vous devra être en mesure de présenter les instruments internationaux, de dérouler les tests législatifs et de présenter également les tests réglementaires. Comme prérequis, parlons des concepts clés du cadre juridique de la promotion de l'éducation au Cameroun. Les concepts clés du cadre juridique de la promotion de l'éducation au Cameroun. Quels sont donc ces concepts clés? Nous avons les concepts de droit pénal, de droit privé, de droit public, des tests internationaux, instruments internationaux, des tests législatifs et des tests réglementaires. Donc, comme concept clé du cadre juridique de la promotion de l'éducation au Cameroun, nous avons les concepts droit, droit public, droit privé, instruments internationaux, tests législatifs et tests réglementaires. Pour parvenir aux objectifs que nous nous sommes fixés tout à l'heure, voici une situation problème en termes de dialogue entre Ali et Bob, deux anciens camarades de Léniège. Ali et Bob, deux anciens camarades de Léniège, s'entretiennent au sujet de la nécessité de connaître les tests internationaux. Observez, lisez attentivement ce dialogue, après quoi je vais vous le présenter. Bob dit donc, « Bonjour Ali, te rappelles-tu encore du beau temps passé en formation à Léniège ?»« Bien sûr Bob, c'est inoubliable, même comme tu as viré ailleurs. »« Je voudrais bien m'engager dans la profession enseignante, mais j'ignore les tests officiels qui l'encadrent. »« Pas de problème, je vais t'y aider. » Je dois de ce fait, pour ce fait, te parler des traités internationaux, des tests législatifs et des tests réglementaires. Voici donc la discussion entre deux camarades de Léniège, Ali et Bob. Bob veut s'engager dans la profession enseignante, mais parce qu'il ignore les tests officiels qui encadrent la profession enseignante, il hésite donc de s'engager. Son camarade lui promet donc de l'aider. Et pour ce faire, il doit lui parler des instruments internationaux, des tests législatifs et des tests réglementaires. Pour cela, qu'est-ce qu'il devra faire? Il devra présenter les instruments internationaux, les différents instruments internationaux, dérouler les tests législatifs, la composante donc des tests législatifs, développer les tests réglementaires, développer les différents actes pris par les autorités exécutives et administratives. Voici donc les activités d'apprentissage qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Notre première activité d'apprentissage s'intitule « Présenter les instruments internationaux ». La deuxième activité, dérouler les tests législatifs. La troisième activité, développer les instruments internationaux. Nous allons donc, dans un premier temps, présenter les instruments internationaux. Dans un second temps, dérouler les tests législatifs. Et dans un troisième temps, développer les tests réglementaires. Pour présenter donc les instruments internationaux, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que cela exige? Pour parvenir à présenter les instruments internationaux, on doit dans un premier temps recenser, puis expliquer chaque instrument international, dérouler les tests législatifs, nécessite de répertorier ces tests législatifs et les définir. Ensuite, déterminer les initiateurs des 10 tests. Donc, pour parvenir à la présentation des instruments internationaux, il faut recenser les différents instruments internationaux,
et expliquer chacun d'eux. Pour dérouler les tests législatifs, il faut répertorier chaque test législatif et le définir. Il faut également déterminer les initiateurs des 10 tests. Pour ce qui est des tests réglementaires, pour dérouler ces différents tests, il faut répertorier les différents tests réglementaires, puis expliquer brièvement chacun d'eux. Il faut également, comme pour les tests législatifs, déterminer les initiateurs ou les auteurs des 10 tests. Notre première activité d'apprentissage s'intitule donc « Présenter les instruments internationaux ». Présenter les instruments internationaux. Quels sont donc les différents instruments internationaux? Ces instruments internationaux sont, en premier lieu, la déclaration. Qu'est-ce que la déclaration? La déclaration, c'est le caractère ou état de ce qui affirme l'existence d'une situation juridique ou d'un fait qui marque certains effets juridiques. Exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1948. Un autre instrument international, c'est la Convention. La convention, c'est un accord officiel passé entre des individus ou des groupes sociaux ou entre les groupes sociaux, entre les individus ou entre les groupes sociopolitiques ou entre États. Exemple, la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par le Cameroun le 10 janvier 1993. Le traité constitue également l'un des tests internationaux. Le traité, c'est la convention écrite entre deux ou plusieurs gouvernements sur des sujets de droit internationaux. C'est une expression de volonté entre deux souverains sur des sujets de droit planétaire en vue de produire des effets juridiques. La charte constitue également l'un des instruments internationaux. Qu'est-ce qu'une charte? Une charte est un écrit solennel destiné à consigner les droits ou à régler les intérêts sur des sujets de droit internationaux. Exemple, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant de 1990. Et revenant sur les sujets de droit international, nous les avons cités la fois passée. Ça peut être des sujets de sécurité, de santé, de changement climatique, du réchauffement climatique, etc. Les règles font également partie des instruments internationaux. C'est l'ensemble des normes juridiques à finalité sociale et à caractère universel et obligatoire, indiquant ce qui devrait être fait. Ça, c'est la définition que nous donne le dictionnaire Tupi, la Tupi, Tupictionnaire. Exemple, les règles des Nations Unies pour l'égalisation des chances des personnes handicapées, adoptées le 20 décembre 1993. Notre deuxième activité d'apprentissage s'intitule « Présenter les tests législatifs ». Présenter les tests législatifs. Nous avions défini la fois passée les tests législatifs comme l'ensemble des lois votées et adoptées par le Parlement et promulguées par le président de la République. Quels sont donc les différents tests législatifs? Comme test législatif, nous avons la Constitution. La Constitution, c'est quoi? C'est la loi suprême, c'est la loi fondamentale, c'est la loi des lois qui organise l'État, qui fixe l'organisation et le fonctionnement d'un État. C'est la loi qui définit les différents pouvoirs, qui définit la relation entre gouvernant et gouverné. C'est la loi fondamentale, la loi au-dessus de toutes les lois.
Elle comporte un préambule ou partie préliminaire qui énonce les principes fondamentaux qui y sont détaillés. Les grandes articulations, elle comporte également les grandes articulations qui sont les titres, les chapitres, les articles, les alinéas. Exemple de constitution, notons la constitution du 18 janvier 1996. Les lois constituent également l'un des textes législatifs. Les lois sont les textes législatifs délibérés et adoptés par le Parlement et promulgués par le président de la République et qui régulent et contrôlent les activités des peuples. Elles régissent la vie en société et définissent ce qui est permis ou interdit, sanctionnent également les déviances. Les ordonnances constituent également les textes législatifs. Qu'est-ce qu'une ordonnance? C'est un acte légal pris par le chef de l'État ou par le pouvoir judiciaire avec l'accord du Parlement en cas d'urgence pour une durée déterminée. Donc, c'est un acte pris par soit le chef de l'État, soit pour le pouvoir judiciaire en accord avec le Parlement. En accord avec le Parlement. Le Parlement donne son accord. Et il faut qu'il y ait une situation d'urgence, un cas d'urgence. Et la durée doit être déterminée. Nous avons comme exemple d'ordonnance l'ordonnance numéro 81-002 du 19 juin 1981 portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques. Le déroulement des textes réglementaires qui constitue notre troisième activité d'analyse constitue le décret, est constitué du décret, décret qui est un acte réglementaire pris par le chef de l'État ou par le premier ministre dans l'exercice de leurs fonctions respectives. Exemple du décret, le décret numéro 2000-259 du 5 décembre 2000 portant statut particulier des fonctionnaires du corps de l'éducation nationale. L'arrêté constitue également un texte réglementaire. C'est un acte réglementaire provenant d'une autorité administrative qui peut être le ministre, le gouverneur, le maire, le président du conseil régional, le président du conseil départemental, etc. Exemple d'arrêté, l'arrêté numéro 267-B-1464 du 19 septembre 2001 portant application de certaines dispositions du décret numéro 2001-04 du 19 février 2001. Les décisions font également partie des textes réglementaires. La décision est un acte légal servant à prendre des mesures d'exécution, de réorganisation de services en vue de résoudre ou de trancher un problème. Exemple de décision, la décision numéro 09-2004 du 12 septembre 2009 portant nomination des directeurs et directrices d'écoles primaires dans la région de l'Adamawa. Les instructions officielles constituent des actes administratifs, mais qui n'ont pas en principe de valeur réglementaire, qui n'ont en principe pas de valeur réglementaire parce qu'ils précisent la manière dont doivent être appliqués les textes. Dans les instructions officielles, nous pouvons noter les circulaires et les notes de service. La circulaire est une lettre, un avis administratif professionnel ou diplomatique. Exemple, circulaire numéro 41-06 du 11 octobre 2005 relative à l'organisation des examens pour les candidats déficients visuels et auditifs. La note de service est un mode de correspondance utilisé dans un service. Qu'est-ce que nous pouvons dire au terme de nos analyses? Nous pouvons dire que
Les textes internationaux sont constitués de déclarations, de conventions, de traités, de règles, de chartes. La déclaration, c'est le caractère qui affirme l'existence d'une situation juridique ou d'un fait qui marque certains effets juridiques. La convention est un accord passé entre deux individus, entre des groupes sociopolitiques ou entre États. Les traités constituent une convention écrite entre deux ou plusieurs gouvernements sur des sujets de droit internationaux. La charte est un écrit solennel destiné à consigner les droits et à régler les intérêts sur les sujets de droit internationaux. La règle est l'ensemble des normes juridiques à finalité sociale, à caractère universel et obligatoire, indiquant ce qui devrait être fait ou non. À l'exemple, les règles des Nations Unies pour l'égalisation des chances des personnes handicapées, adoptées le 20 décembre 1993. Pour ce qui est des textes législatifs, disons que dans ces textes législatifs, nous pouvons distinguer la Constitution. Nous pouvons distinguer les lois, nous pouvons distinguer les ordonnances. La Constitution, c'est quoi? C'est l'ensemble des textes qui organisent la vie de l'État et qui régulent les rapports entre gouvernants et gouvernés. La loi est un texte législatif adopté par le Parlement et promulgué par le président de la République et qui régule les activités des peuples. Une ordonnance est un acte légal du chef de l'État ou du pouvoir judiciaire avec accord du Parlement en cas d'urgence pour une période limitée. Quant au texte réglementaire, nous pouvons parler du décret, des arrêtés, des décisions, des instructions officielles. Le décret étant un acte réglementaire pris par le chef de l'État ou le premier ministre dans l'exercice de leurs fonctions respectives. L'arrêté, c'est une décision exécutoire de certaines autorités administratives. Ça peut être le ministre, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les présidents du conseil régional, le président du conseil départemental, etc. La décision est un acte légal servant donc à prendre les mesures d'exécution, de réorganisation de services en vue de résoudre un problème. Les instructions officielles qui ne sont pas des textes réglementaires à proprement parler, parce qu'ils permettent de donner la façon, de donner l'orientation de l'application des textes officiels. Ils n'ont donc pas de valeur réglementaire proprement dite, car précise la manière dont doivent être appliqués les textes. Et dans ces instructions officielles, nous avons les circulaires et les notes de service. Les circulaires et les notes de service. Circulaire qui est une lettre, un avis administratif, professionnel ou diplomatique. La note de service ou instruction de service qui est un mode de correspondance utilisé au sein d'un service. Pour consolider les savoirs que vous venez d'acquérir, voici un exercice d'application. Suivez. En vue de favoriser l'application des tests juridiques sur l'éducation au Cameroun, qui demeure encore hermétique pour certains de tes camarades, votre directeur te désigne, toi qui maîtrises ces tests, pour coordonner les travaux des groupes irrelatifs. Pour cela, tu devras citer les différents textes juridiques qui encadrent l'éducation au Cameroun et illustrer chacun de ces textes par un exemple précis. Comme résolution, nous pouvons donc retenir que les instruments internationaux sont les déclarations, à l'exemple de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, les conventions, à l'exemple de la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989, les chartes, à l'exemple de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant de 1990. Les textes législatifs, quant à eux, sont constitués de la Constitution, exemple, Constitution du 18 janvier 1996,
Des lois, à l'exemple de la loi portant organisation et fonctionnement de l'enseignement privé au Cameroun, des ordonnances, à l'exemple de l'ordonnance portant organisation de l'état civil de 1981. Parlant des textes réglementaires, disons que les décrets qui constituent les décrets sont les décrets fixent les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'enseignement privé au Cameroun. Donc, comme un exemple de décret, nous pouvons mentionner le décret fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'enseignement privé au Cameroun. Les arrêtés, à l'exemple de l'arrêté portant découpage de l'année scolaire 2022-2023. Des décisions qui font partie également des tests réglementaires, à l'exemple de la décision portant la nomination des inspecteurs pédagogiques régionaux. Les instructions officielles, à l'exemple de la circulaire portant nomination des directeurs et directrices d'école. Nous avons également un exemple ici, circulaire portant la tenue des journées pédagogiques 2023-2024. Pour consolider davantage tes savoirs, voici un devoir que tu devras traiter à la maison. Suivez la présentation. Au terme de l'évaluation numéro 4, votre camarade se rend compte que ses amis ont eu une mauvaise note en législation scolaire. Nous avons ici la note 2,5 sur 20, 9 sur 20, 0 sur 20, 5 sur 8, 0,5 sur 20 et 8 sur 20. Il décide, par souci de la promotion collective, d'aider ses camarades. Pour cela, qu'est-ce qu'il devra faire? Énumérer les différents tests juridiques sur la promotion de l'éducation au Cameroun et les étayer chacun par un exemple précis. Pour approfondir tes savoirs, pour approfondir davantage, voici les références bibliographiques que tu devras consulter. Programme officiel de l'ENIEJ niveau baccalauréat, édition 2014. Maquet, F. Dans notre beau métier. Les classiques africains, Versailles, 1993. Dédé, J.M., guide administratif du directeur. Des sites, 1996. Larousse Encyclopédie, 1993. Notre prochaine leçon portera sur quelques tests sur l'éducation au Cameroun. On tege si ma tege yop, on tege minga ma tege nyom, on tege ma jang ma tege ndom, mane tambia niña ne injo biayen, ngani bana ma tege mot, ngani la kiri wa tege ndong, esse kina bia dinkido, mane tambia niña ne injo biayen, tam tama mote tam zabike, tam tama tonge tam zabike tam tam tama mote tam zabike mane tambia niña ne injo biayen.